allez bien. Je m'excuse d'avance pour ma tête fatiguée parce que, en fait, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu un petit souci. Enfin, on a eu un petit souci ce week-end. Mon homme a dû être emmené aux urgences. Il a cassé son tibia en jouant avec le chien dans la cour. Et donc voilà, il a chuté, il a glissé. Et voilà, c'est les aléas de la vie, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu. Je pense que mon rythme de vidéo va être un peu spécial dans le mois qui vient. Puisqu'il va être en convalescence à la maison pendant un mois. Je ne vous garantis pas que je vous ferai des vidéos aussi souvent que d'habitude. J'en ai quelques-unes de pré-filmées, donc je pense que bah, vous les aurez en allant, etc. Ce matin, j'ai reçu la Degustabox. Je me suis dit, je vais la filmer, ça me changera les idées, ça me permettra de penser un petit peu à autre chose, ça me fera du bien aussi. Parce que bah, vous me faites du bien et vous avez été très présente hier soir et cette nuit en message, en MP, etc. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément parce que c'est là qu'on se rend compte que bah, la communauté YouTube, c'est aussi beaucoup de présence et beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié et beaucoup de partage. Parce que voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de plein de choses. Et je remercie également mes amis qui passeraient par là, qui m'ont envoyé plein de messages. Et merci beaucoup pour vous. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir un petit peu que le rythme de mes vidéos va être un petit peu différent dans le mois qui vient. Mais je vous ferai des vidéos, vous inquiétez pas, moi ça me fait du bien et je pense que ça m'aidera à m'évader aussi un petit peu. Même si je vais être très présente pour mon mari, ce qui est normal. Donc je vous avais dit, j'ai reçu la Degustabox ce matin. Donc là voilà la Degustabox. C'est la Degustabox des 1 an, donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'elle contient. Alors j'ai vu sur leur Facebook qu'on pouvait avoir des choses en plus dans la Degustabox. Il y avait eu quelques box qui avaient été pris au hasard, donc on va voir ça ensemble. Alors, c'est marqué Degustabox, box de mars, déjà 1 an de surprise. Donc en recette ce mois-ci, nous avons un brownie choco-noisette, ça tombe très bien, mon mari adore ça, donc je vais pouvoir lui faire. Et un filet de cabillaud marine à la provençale et risotto de courgettes jaunes et au basilic. Ça m'a l'air très bon aussi. Donc on y va. C'est parti. Hop. Alors il y a un papier dedans et c'est marqué nouveau US Vintage Soda. Boislane débarque en France, ça pétille dans les boissons. Donc c'est ça, je connais pas du tout. Classic Food of America, 1 € de réduction. Faut déjà trouver la marque en magasin. Voilà, on verra bien. Hop, voilà. Alors, déjà je retire... ceci, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque La Boulangère, c'est une focaccia à réchauffer. Ah, ça c'est cool pour l'apéritif, aux olives et aux herbes de Provence. Donc ça c'est cool, d'habitude on en mange avec les amis, mais c'est plus des préfous je crois, mais bon c'est un peu le même style. Donc voilà, ça c'est très bien, très contente. Et ça, ça vaut 2,30 €. Sympa comme tout, contente de ça. Ensuite... nous avons de la chapelure fine croustille, de la chapelure pour de la marque Vivien Paille. Donc ça c'est pratique parce que c'est en paquet comme ça. Bon, ça se referme bien, donc ça c'est cool. Et c'est pour, on peut faire des crumbles de chèvre courgette. Il y a une recette derrière, donc c'est sympa. Donc ça c'est bien, de la chapelure. Moi j'aime bien faire des nuggets moi-même avec du vrai poulet. Mon mari adore ça en plus, donc ça va lui faire plaisir aussi. Et ça, ça valait 1,10 €. Ensuite... nous avons de la Max, de la marque Boxer Chips. C'est la marque de Birdie, des Boxer. Donc ce sont des chips originales sous forme de box à première vue. Donc et c'est au sel, tout simplement. Ouais, à première vue, vous voyez, ça fait une box qu'on ouvre comme ça. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est quelle marque, c'est quelle nationalité ça plutôt? Irlandais à première vue. D'accord. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. Je testerai ça. Et ça, ça vaut 2,80 €. Ensuite, nous avons de la marque Jardin Bio une tisane, je pense, du thé au thym. Thé menthe. Pof. Du thé au thym et à la menthe, fraîcheur tonique, donc voilà. Moi je suis pas trop fan du thé à la menthe, à voir, mais je sais que le thé au thym c'est très bon quand on est un petit peu enrhumé, etc. Donc à voir, soit je le filerai à une copine qui adore le thé, soit j'en boirai ou je le garderai pour les gens qui viennent à la maison. Pourquoi pas, et ça vaut entre 2,59 € et 2,79 €. Ah, parce qu'il y en avait deux possibles, il y avait... celle-ci ou une infusion digestion. Ben moi, j'aurais préféré l'infusion digestion parce que j'aime bien ces petits thés-là, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons de la marque Purvia Stevia, un sirop d'agave et stevia. Je crois qu'on en a déjà eu un dans une box il n'y a pas très longtemps.
Donc moi je suis pas trop fan de ces choses-là, je les utilise pas. Donc ouais, pas trop fan de ça. Et ça vaut 4,90€. Ensuite, nous avons ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une marinade thaï de la marque Christian Potier Maître Saucier, prêt en 2 heures. Donc c'est idéal pour le bœuf, les crevettes, le poisson et le poulet. Ok. Donc secouez la sauce, versez la moitié de la marinade dans votre plat, posez votre viande, puis recouvrez le reste aux marinades. D'accord. Donc ils mettent prêt en 2 heures parce qu'il faut laisser mariner de 2 à 4 heures au réfrigérateur. Cuisson au four, à la plancha, au barbecue. Écoutez, ça peut être pas mal. Moi j'aime bien ce petit style de marinade là. Et ça vaut. Donc il y avait possibilité d'avoir Tex-Mex, Thaï ou Provençal. Donc Thaï c'est très bien. Et ça vaut entre 2,40€ et 2,90€. Hop! Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là? Nous avons deux petits trucs comme ça. Et c'est ma pâte à tartiner de la marque Raffolée. Alors, je crois qu'on en avait déjà eu de ces petites choses-là. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est mon mari qui avait goûté. C'est sans huile ajoutée avec du lait entier frais, du chocolat et des noisettes. Bah, écoutez, pourquoi pas pour mettre sur une petite tartine ou quoi que ce soit. Et ça, première vue, c'est cadeau parce qu'ils n'en parlent pas du tout. Si, Raffolée. Ouais, alors Raffolée, c'est le cadeau. Voilà. Donc ça se trouve à première vue chez Auchan, en pot normal. Ensuite, nous avons de la marque Radiatori, c'est des garofalo. Donc ce sont des pâtes avec une forme assez originale. Donc des pâtes, c'est toujours utile, c'est toujours bien, ça sert toujours. Et ça vaut 2,30€. Voilà, ils disent que la forme de la pâte retient bien la sauce. Donc à voir. Ensuite, nous avons. Elle est bien complète cette box. Nous avons de la marque Vivien Paille. Donc, c'est une marque qu'on a très souvent dans cette box. Préparation pour riz au lait. Donc, ça, c'est cool aussi. 2 minutes au micro-ondes, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est très bien. Ouais, franchement, pour 4 desserts, c'est bien. C'est pratique. Même pour faire des petites recettes avec en ajoutant d'autres petites choses quand on a du monde, etc. Très, très, très bien. Donc, très contente de ça. J'adore le riz au lait en plus. Et ça vaut 1,50€. Hop! Ensuite, tu vois qu'il y a il y a 4 boissons, enfin il reste 4 trucs, donc il y a déjà ces deux choses-là. Donc là, c'est de la marque Gordon, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Extra Red Fruit Beer. Donc à première vue, c'est une bière aux fruits rouges. Voilà. Et l'autre, c'est une bière blonde, Gin Space, ouais, une bière blonde de la marque Gordon et une bière aux fruits rouges. Donc à voir, hein. Ça c'est quoi? Ça vaut 1,99€ l'unité et ils mettent les bières Gordon Explosion sont destinées à un large public à la recherche de nouvelles sensations. La Gordon Gin Space Explosion est un mélange surprenant de Gordon Finesse Beer et d'arômes de gin, forte, savoureuse et épicée. Et la Gordon Red Fruit Explosion est un mélange de Gordon Fine Beer et d'arômes de fruits rouges. Bière forte, savoureuse et rafraîchissante. Ok, bah écoutez, on testera, hein. Quand mon mari sera remis sur pied. Voilà. Ensuite, il me reste deux petits trucs enveloppés comme ça. Donc, on va voir. Donc, voilà, c'est la marque Nos Régions ont du talent. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une compote? Ouais, c'est une compote de kiwi et de pommes de la vallée de la Garonne avec morceaux. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout, ce petit truc-là. Voilà, compote de kiwi aux pommes. Ben, écoutez, moi, je suis contente. Ouais, ça m'a l'air plutôt sympathique. Et ça vaut 2,65€. Et on pouvait avoir également. Alors, soit vous avez celle-ci, soit vous avez tout pomme ou pomme et rhubarbe. Mais moi, ça me plaît bien, pomme kiwi. Ça me plaît. Et alors, il y a également un petit papier ici pour avoir 30 centimes de réduction sur la focaccia. Et le dernier produit de cette box, c'est ceci. Donc, ça doit être la fameuse boisson américaine, là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Ginger Ale soda au gingembre, sucre de canne. Donc, voilà, c'est un soda au gingembre. Donc, c'est un peu comme les... pas Canada Dry, mais Schweppes, je pense. À voir, on testera. On testera ça. Et ça, donc, ça vaut 2,50€. Et on pouvait avoir ça. On pouvait avoir parfumé à l'huile de citron, lime et gingembre ou cherry. Voilà.
Ah non, donc celui-ci, c'est parfumé à l'huile de citron, lime et gingembre. Et l'autre, c'était cherry qui est parfumé à la cerise noire. Voilà. Bah écoutez, je n'ai pas été sélectionnée pour avoir une box spéciale anniversaire, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ce que j'ai dans cette box, ça me va très bien. Je la trouve plutôt pas mal. Franchement, il y a pas mal de petites choses. Il y a vraiment du sucré, du salé, il y a un peu de tout. J'en suis assez contente, un peu plus satisfaite que la box du mois dernier qui était sur les trucs du monde et franchement qui était pas forcément top. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve, bah, je ne sais pas quand, dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!